Et oui, les amis, j'invoque sur mon compte. Vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il réinvoque, mais non! Les gars, je suis sur mon compte Free to Play et on est reparti invoquer. Troisième vidéo invocation quand même sur ce portail, enfin sur ce double portail, c'est pour ça qu'il y a eu autant de vidéos invocation. Mais j'avais envie de me faire plaisir avec le compte Free to Play. J'ai actuellement 28 000 CC en stock, donc je vais aller chercher un cycle, c'est tout. Peut-être le ticket, voilà, un cycle et le ticket. Et comme ça, on va s'arrêter là dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que, alors déjà de 1, la première chose, j'ai juste envie de me faire plaisir. Déjà, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que je suis content de mon stack de CC, j'ai 25 000. J'aurai aux alentours des 30 000 pour Ultra. Et après à l'anniversaire je vais voir comment je vais gérer la chose. Parce que derrière je vais pas forcément chercher à invoquer jusqu'à très longtemps sans doute au festival. Vous verrez plus de vidéos d'invocation après l'Ultra sur mon compte Free to Play. Parce que il va falloir que je joue. En fait l'objectif c'est pas que d'invoquer, c'est également de jouer en PVP. Donc l'objectif ça va être de jouer sur mon compte Free to Play, que ce soit faire des lives et faire des vidéos dessus pour avoir des teams très opti. Et comme ça, ça va étoffer un petit peu ma box et surtout étoffer mon nombre de LF, parce que j'en ai pas beaucoup. C'est à dire que là par exemple, si on prend les LF, j'ai pas Ryuken, j'ai pas Gohan Beast, j'ai pas le tag Vegetatrunks, j'ai pas le tag Cyborg, je crois que j'ai peut-être pas Cell, j'ai pas Goku Black, j'ai Migaté et après voilà, j'ai Broly. Mais je veux dire, ouais, c'est très très compliqué. Et également autre chose, bah potentiellement j'ai pas Pan, j'ai pas C17, il y a vraiment plein de persos que j'ai pas. Donc j'ai envie de me faire plaisir de faire un petit step. En plus de ça, on est sur un portail qui est pas horrible non plus. Alors je vais pas invoquer sur lui, pourquoi? Parce qu'Orange Piccolo, je suis un petit peu moins fan. Le Gohan qui est à côté, c'est pareil, c'est juste une histoire d'affection, parce qu'en vérité, et puis c'est pareil, le Trunks, je suis pas trop fan, Gohan non plus, Gatai non plus, Kidou non plus. Le portail m'intéresse moins en fait, même le ski derrière et tout, ça m'intéresse beaucoup moins. Donc c'est pour ça que je vais préférer plutôt partir sur ce portail là. Et voilà, surtout pour me faire plaisir et arriver, bah je pense que les gars, vous aurez une vidéo invocation. Je pense que ça sera en live où on invoque à 30 000 CC sur l'Ultra. Alors j'aurai une pression de malade, pourquoi? Parce que ça sera le gros moment en fait du compte Free to Play. Si je drop l'Ultra, ça me met très bien en fait, parce que je le mets en leader et que ça sera très fort quoi qu'il arrive avec le tag par exemple. Et ça va me permettre de faire un très gros top également. Et aussi parce que je vais aussi vous faire une vidéo pour vous dire que bah, je vais pas oublier. C'est pas parce que je fais un petit peu moins. Alors en ce moment, j'ai beaucoup de contenu à faire sur YouTube, j'ai beaucoup de taf sur YouTube avec ma vie perso, mon nouvel appart. Enfin, plein j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment qui font que j'ai pas énormément de temps à allouer à mon compte Free to Play. Maintenant, je suis là, vous inquiétez pas et je ne l'oublie pas. Je vous dis, je crée une aventure, mais comme j'ai dit aussi quand j'ai lancé l'aventure, c'est je vais pas vous faire des vidéos tout le temps, je vais pas vous jouer tout le temps à ce compte là, je vais jouer que de temps en temps et me faire plaisir quand j'ai envie. En fait, y jouer et lancer le jeu quand j'ai envie. Et voilà, aller chercher mes Zenkai, farmer mes persos free to play, parce que si on va dans les events avant qu'on invoque, j'ai un nombre de trucs à farmer, enfin c'est un délire même. Je sais que pour vous ça paraît pas être énormément de CC, mais tout ça, par exemple, tous ces events là, je les ai pas fait, donc il faut que je les fasse. J'ai pas fini également les Zenkai de tout ça. J'ai 2000 ACT, donc ça permet de faire pas mal de choses. Les raids, bon, les raids, je peux avoir de CC, donc voilà. Mais tous les persos free to play par exemple qui sont ici, et bien tous les niveaux me rapportent des CC, donc il faut tout ce que je les refasse. Même les légendes rôdes, hein, je rappelle, ça fait des CC. Si on va dans les missions, bah pareil, également dans les médailles d'anniversaire, bah j'ai pas grand chose, hein, je crois que j'en ai même pas eu une seule. Ouais, j'ai pas eu 1000 CC. D'ailleurs, je pourrais presque, je vais les avoir, donc tant mieux. Donc vous voyez, et puis là, voilà toutes les missions qui sont ici avec voilà 500 CC sur les events de Gohan, 200 sur celui de Piccolo. Bon. J'ai quand même pas mal de pain sur la planche. Donc voilà, allez les gars, c'est parti. On fait pas plus traîner, on est parti invoquer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et là j'ai un peu la main, je me dis pourquoi pas sur mon compte Free to Play un step et chatter. En vérité, pourquoi pas. Alors vous avez vu, j'ai pas eu vraiment énormément de chance. Je rappelle, 40 000 CC pour avoir aucun nouveau personnage, aucun nouveau LF, pardon, c'est pas vrai. Aucun nouveau LF, donc évidemment c'était quand même assez compliqué, parce que le Piccolo je l'ai mis, mais j'ai mis un step de plus, donc j'ai mis plus de 40 000 sur, au final 43 000 pour avoir un seul, et l'autre c'était sur les tickets, donc c'était pas sur les CC. Donc vraiment ça a été quand même très compliqué pour moi. Donc après est-ce que je le sens, est-ce que je le sens, enfin je sais pas. Mais ce qu'il faut, c'est surtout qu'on ait pas mal de LF, parce que le fait d'avoir pas mal de LF, ça va me donner un up à mon compte. Et évidemment que Gohan Beast, je serais trop content de l'avoir sur mon compte Free to Play, d'avoir Gohan la bête. Et ça commence avec deux fois la même animation, deux fois Namek vert, 5 capsules. Il nous faut du sparking, hein. On a un sparking 20%, on a eu 3 personnes, on n'en a pas eu. Et glissé doré, ok, donc ah, pas de SSJ Blue, pas de Broly non plus. Ok, ça fait juste Katida, ça veut dire sparking, donc pourquoi pas, il y a tellement de personnes en plus que j'ai pas.
Let's go. Alors, je pense que vous avez le passé. Non, je sais pas si vous avez le passé ou pas sous les yeux. Non, vous l'avez pas, donc c'est parfait. Ça va pas nous spoil. Mais bon, en même temps, il y a plein de persos que j'ai pas. Ok, fake out ici, ça peut être cool. Et pan, bah voilà, pan qui tombe, bah là je l'avais pas. Pan qui tombe, je l'avais pas, vous voyez en haut c'est nouveau, bah c'est parfait. Ah, je crois que c'est crop avec l'écran. Mais voilà, pan qui tombe, ça c'est très bien, ce genre de perso très cool que je suis content d'avoir parce que tu le mets en leader dans toutes les teams, ça peut être très forte et on n'est pas à l'abri qu'elle soit forte dans. Enfin, genre, pan c'est jouable, donc on ne demande pas, pan c'est mention honorable dans les tops des meilleurs persos du jeu. Évidemment, elle n'est pas dans. Top 5, je pense pas qu'elle soit top 8, top 10 même à l'heure actuelle. Mais bon, top 1, ça reste toujours all time et son support est incroyable. C'est toujours un des meilleurs supports du jeu. Et en même temps, c'est assez logique quand tu vois tout ce qu'ils ont fait sur le perso. Donc il nous reste là la multi à 700 et 3 multi derrière. Donc ça va vite passer. Hein, ça va vite passer. Encore Namek vert, on veut pas bouger de Namek vert. Donc ça va être difficile quand même d'avoir des LF si on est sur Namek. Pourquoi pas après? Pourquoi pas hein, sur un step, on peut y croire. Faire tomber Gamma. Pas de parking garantie pour l'instant, allez multi. On perd, mais je pense qu'on va juste perdre tout court, moi les amis, si vous voulez mon avis. Et pas de Vegeta, pas de Whis, et ouais, on va juste perdre tout court. C'est moche, parce que là, je pense qu'on n'aura même pas de sparking. Ça ferait quand même pas un taux drop de sparking qui serait vraiment très bon. Hein. J'ai l'impression qu'on va rien avoir. Alors, pas avoir sparking, sachant qu'on a 7 persos et que c'est taux x2. Je peux bouffer un peu mon seum, mais ouais, franchement, c'est moche. Ce genre de multi, quand t'as taux x2, c'est quand même abusé de pas avoir un seul sparking, même si c'est 7 persos. T'es largement dans les taux, hein. Là, t'es pas du tout dans les taux de pas en avoir. Et vu qu'on va pas beaucoup invoquer, vu qu'on remet 1000 CC ici, ça va être dur. Emmène-moi, fais-moi voyager Toshi, le fils de Toshi. Après, c'est pas le compte du fils de Toshi, donc voilà. Hein. Oh, Jaco. Alors, Jaco, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. C'est soit c'est une log de fou, soit c'est nul. Donc, on va voir. Il pas être zinzin hein, ce Jaco là. Glisser normal. Oh, et c'est Giblou. Oui, pas de bruit. On gagne. Ah, dommage. On gagne. Ok, peut-être alors. Le SCJ Blue qui pop là-dessus. En surprise. Il nous a sauvé la mise. Oh, Omega EX, on l'avait pas. Bon, voilà. Ah, mais c'est rigolo. C'est les deux EX, les gars, du portail GT du festival. C'est rigolo de faire tomber la suite. On a 3. Donc, j'ai l'impression qu'on a 2 sparking quand même. Et ça, c'est un sparking. Et c'est Trunks violet. Je l'avais pas. Voilà, 5ème. Gamma 2 qui est sur le portail. Je l'avais pas non plus. Évidemment, vu que c'est le compte free to play. Mais ok. Et pan. Un pan qui retombe. Ok, ça m'évite de mettre au doublon dessus et tout. C'est 1200 PZ. Donc là, elle va être déjà 6 étoiles, pan. Pan va être 6 étoiles. C'est très bien, ça. C'est très bien. Pan, c'est très bien. Alors, évidemment, c'est pas ce que je recherchais forcément. Mais la faire tomber 2 fois, c'est beaucoup mieux que faire tomber Gamma, par exemple. Ok. Bon, il nous reste que 2 multi et le ticket. Non, en vrai, j'ai trop envie de. Là j'ai vraiment. Je vais pas vous mentir, j'ai envie de réinvoquer. Là. J'ai trop envie de réinvoquer. Ça passe trop vite. Je vous le dis, ça passe trop vite. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En vrai, déjà, un cycle, c'est déjà plutôt pas mal. Jaco. Pas de Trunks. Pas de Trunks qui arrive. Badak. Non! Ah, il faut apprécier cette multi parce que je pense que ça va être dur après. Ah là, pas fou. Oh oui! Et si on faisait un exploit? Et si l'exploit était possible? Mais non. Animation Broly, donc on aurait au moins eu un LF. Oh attendez, est-ce que ça va faire la. Imagine, ça casse à la fin, genre. Ça veut dire que ça serait Gamma garanti, genre. Allez, donne-moi l'anime de fou. Oh, pour la miniature YouTube et pour le titre. Là, tu m'offres des. Des stats de fou, frérot. Et ça s'arrête là. Ok, donc juste LF. Et il est là direct. Oh là 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 là. Let's go, les gars. La chatte. Ah, ça fait plaisir. Le tag Gamma 2 qui est dispo sur le compte free to play. Et ben franchement, je suis refait, les amis. On aura drop le nouveau Gamma en un step. Et ben franchement, ben évidemment. Évidemment que là, c'est parfait. Évidemment, j'ai cherché pas tout ça. Mais vu qu'en plus, on a eu Pan, là, le summum serait de dropper. Bon, Magenta, ça serait cool. Mais vu qu'un doublon de Pan, je kiffe aussi. Et ben un LF, et c'est le bon. Donc merci Jaco. Parce qu'on a eu quand même l'anime Jaco. Sparking ici. Gamma 1, j'ai eu un petit peu petit frisson, tu vois, je me suis dit pourquoi pas. Encore un fake out. Badak, bon là on attend plus grand chose du portail, je vais pas vous mentir que maintenant je m'en vais, je vais faire. Alors est-ce qu'on a le ticket à faire avant de faire la multi? J'aimerais bien faire le ticket avant. Parce que le ticket j'y crois pas trop, alors que la multi je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de chance. Même si c'est à 5%.
J'aimerais bien faire ça, sauf qu'en plus ça change rien. Ouais, on a pile poil assez pour faire le ticket, donc j'ai envie de vous dire, bah évidemment, on va pas. De toute façon, je vais pas réinvoquer, je vais pas prendre des tickets légende, donc évidemment qu'ici c'est le ticket 1200 PZ. Bon, je crois que j'ai drop gamma sur le ticket. J'allais dire sur ce portail là, j'ai jamais drop sur le ticket. Bon, au final, si on a quand même drop, et là, bon, voilà, animation assez éclatée. Je skip parce que tant que t'as pas d'anime sur ces tickets là en général, c'est très. Je me rappelais même plus qu'il existait dans le jeu, pour pas vous mentir. Bon bah, dernière multi, et puis... Bon, espérons avoir une petite animation, mais de toute façon, je me plains évidemment pas. Quoique, je suis très content d'avoir drop le tag Gamma sur ce portail-là, parce que, bah, évidemment, c'est banger. Bon, 3 capsules, un mec vert, autant vous dire que là, ça pue la D, hein. Là, ça pue la merde, là, c'est cette animation catastrophique. Je pense que... Waouh. Là, je pense que c'est même pas la peine d'y penser. Waouh. Wow. Alors là, on a sparking garantie, mais bon, voilà. Là, je pense pas, c'était quasiment pas possible d'avoir Piranha, mais là, je pense que ça va être une multi catastrophique. Je pense qu'on peut s'attendre à une multi déchétrale. Salut, ça serait beau, sous sparking. Allez, mais fais le tomber. 5. Il est là, il y a Magenta. C'est Tapion. Tapion, je l'avais pas, il est sur le détecteur. Ça fait tomber quand même pas mal de sparking du détecteur. Pourquoi pas, Tapion? Pourquoi pas? Mais bon. Mais bon, comme on dit. Et je crois que c'est... Oh! Imaginez! Oh! Oh, ça aurait été énorme! Ça aurait été énorme! Et Piccolo Daimao ici. Ok, bon bah total des invocations. La vérité, c'est que ça aurait été pas quand même pas si mal que ça. J'avoue que là ça me donne envie de faire une petite multi, tu vois, sur Piccolo, parce que... Je me dis, genre, j'ai chaté sur linge. Bon, j'espère que vous avez kiffé, les gars, cette vidéo invocation sur le tag Gamma 1, Gamma 2. On s'est mis bien parce qu'on a drop le perso, donc je suis grave content. Et maintenant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, le fils de Toshi. Il est là également sur le compte Free to Play. Bon, franchement, en un step, drop le perso, je suis trop content. On se dit à très vite pour les 5. Ciao.